Cette vidéo, vous me l'avez tellement demandé. Donc là, je suis obligée de vous la donner. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma routine capillaire, enfin. Je sais très bien. S'il vous plaît, mettez la vidéo en qualité 1080. Parce que je vous jure que là, YouTube, il défonce ma qualité. Déjà que, vas-y, je voulais une meilleure qualité. Là, c'est encore pire. Donc, s'il vous plaît, mettez la vidéo en 1080p. Je sais même pas si on dit ça, mais bref. Donc, moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est toujours, après, à la fin de ma journée, frotter mon crâne avec de l'huile de ricin. Parce que ça me fait tellement du bien. Mes cheveux ont été plaqués toute la journée. Voilà, ça me fait trop du bien. Donc, je fais ça tout le temps. Et comme là, en plus, j'allais faire mes soins, etc. Je l'ai fait parce qu'en fait, c'est habituel. Je le fais tous les soirs. Ensuite, je vais prendre un mélange et dedans, il y a de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde, de l'huile de pépins de raisin et de l'huile de coco. Du coup, bah, j'en mets à ma racine. Pareil, je vais frotter comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais en mettre sur toutes mes longueurs. J'aime bien aussi, avant de mettre ça, j'aime bien humidifier mes cheveux parce que ça va permettre en fait à l'huile de sceller vraiment l'hydratation. Donc quand j'en ai mis partout, je vais venir mettre du cellophane sur mes cheveux. Donc vous pouvez mettre un bonnet en plastique, un bonnet chauffant, comme vous voulez. Moi, j'en avais pas. Donc voilà, et ensuite, je vais me démaquiller, faire ma vie. Et je vais garder mon soin pendant 1 heure. Du coup, je vais utiliser les produits de chez Les Secrets de Loli parce que je les ai jamais testés. Et là, je voulais vraiment les tester dans cette vidéo-là. Donc je prends le Perfect Clean et c'est un shampoing qui est super liquide. D'ailleurs, j'étais choquée, ça se voit. Il est archi liquide, genre je m'attendais pas à ça. Donc voilà, et j'aime bien séparer mes cheveux en 4 pour bien laver, pour bien laver et oublier aucune partie parce que j'ai trop de cheveux, ils sont grave épais, donc c'est vraiment pour mieux me retrouver, on va dire. Quand j'ai fini de faire ça, je vais utiliser l'après-shampoing, donc c'est le Pink Paradise. Et pareil, en fait, je vais séparer aussi mes cheveux. Je vais en appliquer sur chaque section et je vais démêler mes cheveux avec ma brosse d'Edman. Je préfère vraiment démêler mes cheveux sous l'eau pour perdre le moins de cheveux possible parce que à sec, non, 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 c'est fini. De toute façon, qui fait ça encore? Ça peut m'énerver. Donc quand j'ai fait ça, je vais laisser reposer quelques minutes le temps que je me douche. Et ensuite, je vais venir tout rincer, faire ma petite queue de cheval. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça avant de sortir. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Donc maintenant, on va appliquer le leave-in. Je vais faire 6 nattes de chaque côté et je vais utiliser le leave-in Curl Nectar et je vais mettre que ça. À la base, j'aime bien mettre un leave-in ou une crème plus une huile, mais là, cette crème, enfin ce leave-in, il est tellement riche et tellement épais et tellement gras que j'en sentais pas le besoin en fait. Du coup, j'en ai pas mis. Mais si vous préférez, faites-le. Franchement, faites comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Je vais redémêler, mais là, mes cheveux étaient déjà un peu démêlés. Donc en vrai, c'était vraiment très, très, très rapide. J'ai fait ça en même pas 15 minutes. Hein. Franchement, c'était super rapide.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, elle était super rapide. J'en ferai d'autres parce que je sais que vous aimez, donc vous inquiétez pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.